le bonsoir sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous démarrons par ces nouvelles de la présidence. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé ce mercredi à Kinshasa en séjour de 72 heures. Le diplomate européen est à Kinshasa pour harmoniser et appuyer la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Après la cérémonie de passation du pouvoir, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était en réunion avec les directeurs généraux et les syndicalistes. Il était question de donner des grands axes pour le bon fonctionnement du ministère. Doris Mozo. Aussitôt pris ses fonctions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, n'attend pas, comme il l'a dit hier devant les directeurs généraux de son ministère, qu'il a besoin de leur accompagnement pour réussir sa mission. Christophe Lutundula Apala n'a pas attendu, il a échangé cet avant-midi avec les directeurs généraux et les syndicalistes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il a besoin d'une classe d'élite pour réussir la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a trop de problèmes au ministère des Affaires étrangères et si on ne s'occupe pas des problèmes des diplomates, on risque de faire le surplace. Il recommande la discipline, les efforts d'un chacun pour changer les choses. Il souhaite avoir des rencontres mensuelles pour évaluer le travail de chacun. Il compte organiser un mécanisme de communication. Quelques directeurs ont expliqué les difficultés liées au travail de chaque jour au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ils ont remercié le VPM pour avoir fixé le cap. Cela va permettre le progrès et le changement qui se feront grâce à son leadership. C'est dans le but de s'imprégner du bon fonctionnement de son ministère et faire connaissance des animateurs de ses services que le ministre des Droits humains a eu une séance de travail avec ses collaborateurs de services. À peine il a pris ses fonctions à la tête du ministère des Droits humains, Fabrice Albert Mpuela est déjà à l'œuvre. Il a échangé mercredi avec le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Tchoy. Nous travaillons sur beaucoup de sujets relatifs à tout ce qui est priorité droits de l'homme dans le pays, sur les questions de justice de transition qui, comme vous le savez, est une priorité importante pour le chef de l'État et qui a été repris, comme vous le savez, dans le programme du gouvernement présenté à l'Assemblée. Les questions des prisons, la question de la torture qui est revenue d'ailleurs pour la première fois dans le programme du gouvernement. Et toutes les questions des droits économiques, sociaux et culturels, les questions d'accès à l'eau, à l'électricité et toutes les autres questions qui concernent le bien-être de la population congolaise et qui sont des questions éminemment droits de l'homme. Le tour d'horizon de l'état des libertés individuelles en République démocratique du Congo a été fait, mais aussi la feuille de route du nouveau ministre des droits humains a été analysée pour voir dans quelle mesure poursuivre le partenariat. Et puis l'Alliance de bâtisseurs du Congo recrute les jeunes ingénieurs congolais pour participer au jeu de la francophonie. Suivez. Les travaux du village de la francophonie sur le parvis du stade Tata Raphaël appellent une haute intensité de la main-d'œuvre. Les 9e jeux de la francophonie vont donner du boulot à plusieurs jeunes congolais. Ils se compteront par milliers pour sortir des terres, des bâtiments avec plusieurs chambres, des gymnases, bref. Un complexe moderne de sport. Dans sa politique de promouvoir le savoir local et participer à l'émergence d'une classe moyenne compétitive, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est résolu de privilégier les entrepreneurs locaux dans les marchés publics. Le consortium des entrepreneurs de droit congolais œuvrant dans les secteurs des infrastructures a ici une occasion de s'affirmer en prouvant de quoi il est capable. L'ingénieur Cédric Lungu, administrateur directeur général de l'Alliance des bâtisseurs congolais, ABC, est déjà à l'œuvre. Mardi, le premier groupe des jeunes quinois qui trouvent finalement un emploi durable s'était réuni au sein du stade Tata Raphaël afin de commencer l'installation des camps de vie et autres matériels indispensables dans la construction des infrastructures de cette ampleur. La première dame de la République démocratique du Congo a participé en vidéoconférence à la 8e édition de la Fondation Merck. Suivez.
La 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminarium, qui coïncide avec le 4e anniversaire de la fondation Merck, est une véritable occasion pour ouvrir un dialogue, un forum de discussion sur la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus. Invitée d'honneur, la première dame de la RDC, nommée ambassadrice de Merck plus qu'une mère, a pris parole pour saluer le partenariat entre la fondation Denise Nyakiru-Tshisekedi et la fondation Merck. Cette mise en commun d'efforts a déjà produit des résultats encourageants. 32 médecins venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été formés en diabétologie, 5 l'ont été en fertilité et en embryologie. Un médecin a bénéficié d'une bourse en oncologie afin d'améliorer les soins anticancéreux en République démocratique du Congo. Et pendant le confinement, le prix de reconnaissance des médias restés à la maison a été décerné à 10 journalistes pour encourager leur travail de sensibilisation. Avec autant de réalisations, ce partenariat est parti pour le meilleur dans l'avenir. Cette rencontre qui se tient par vidéoconférence avec la participation du président zambien Edgar Lungu et la première dame de la Zambie, Esther Lungu, est une preuve que la fondation Merck contribue à faire progresser le secteur de la santé publique en Afrique. Le partenariat avec la fondation Denise Nyakiru-Tshisekedi ne peut être que d'objectif. Dans les secteurs de l'éducation, l'Université de Kinshasa aura des points Wi-Fi gratuits. D'ici mi-mai, les travaux d'installation de ces infrastructures sont presque terminés et une délégation du ministère de Pétentique était sur terrain. À partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'Internet pour tous. Le projet RAM à l'Université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Autorité de Régulation de Poste et Télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de Hopot Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels Hopot permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. L'ARPTC et le ministère des Pétentiques qui se sont liés ensemble pour justement favoriser ce projet RAM en mille moyens et sur terrain, c'est une satisfaction parce que l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, d'ici ce 9, pourra avoir l'accès gratuit à Internet et nous sommes sur une base de plus de 15 000 étudiants qui seront bénéficiaires justement et le projet va s'étendre sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire toutes les universités à travers la République démocratique du Congo seront connectés et seront bénéficiaires d'Internet. Ces travaux se feront sur plusieurs autres sites universitaires comme l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Une connexion fiable et la garantie de la réponse et l'ouverture sur le monde scientifique à l'international. À présent, un communiqué officiel provient de la présidence de la République. Levée de mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement des coalitions. Les cabinets du président de la République, chef de l'État, portent à la connaissance de la nation que consécutivement à la motion numéro 002/CAB/P/AN/MLPC/2021 du 26 avril 2021, l'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kengé, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90, alinéa 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de la démission de son gouvernement à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 janvier 2021, et qu'il avait chargé l'expédier l'affaire courante en attendant la constitution du nouveau gouvernement, de mesures conservatoires avaient été prises par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garant du fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution.
Le nouveau gouvernement a été investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sous l'instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées en Conseil des ministres. Les dossiers traités et ceux en cours de traitement relatifs aux subdites mesures sont transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour orientation sectorielle et prise en charge. Faite à Kinshasa le 28 avril 2021, Guylaine Nyembo Mbouizia. Poursuivant ce journal, au ministère de Pétentique, l'intersyndicat dit non à la complicité au milieu de travail. Ce dernier tient à la lutte contre les antivaleurs au sein de leurs entreprises. Redépanda. Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est un principe indéniable. Voilà le syndical de la télécommunications SCPT lors de leur rencontre de ce mercredi 28 avril. Une rencontre placée sous les signes de la lutte contre les antivaleurs par la dénonciation et bannir la complaisance au travail. Les agents et cadres de la SCPT, entreprise publique, ont par ailleurs exprimé leur joie pour la réhabilitation de leur directeur général Didier Moussété, suspendu depuis 4 ans. L'intersyndicale a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur l'état des droits et le peuple d'abord, basé sur la justice équitable. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, puisque Monsieur Didier Moussété est porteur d'un programme d'action séducteur de réhabilitation et de restructuration de la SCPT-SA à court et à moyen terme, l'intersyndicale de la SCPT-SA souhaite voir votre haute autorité maintenir ce cadre honnête à la tête de la SCPT. La bonne gestion de M. Didier Moussété, et nous demandons son maintien à la tête de la SCPT pour la continuité de sa vision. Et l'ensemble du personnel s'est dit confiant de l'esprit managérial de son directeur général réhabilité, M. Didier Moussété, pour non seulement le redressement de l'entreprise, mais aussi et surtout le rayonnement et le développement de cet établissement public. Et puis les caucus de la femme du mouvement et caucus se sont retrouvés autour de la conseillère spéciale de chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences. La situation d'insécurité qui prévaut dans la partie est du pays était au centre de leurs entretiens. C'était en fait un cri d'alarme de la femme face à toutes ces atrocités dans la partie orientale du pays. Eko qui signifie tout simplement « ça suffit » pour tout type de violence tant décriée commis à l'endroit de la femme et à la jeune fille. Ainsi, les caucus du mouvement des femmes Eko qui attendent mener des actions de grande envergure afin de conscientiser les populations de cette partie du pays, de lutter et de combattre et surtout de dénoncer là où s'exprime la violence. Au sortir de l'audience, Mme Mbokolo Bekola s'explique face à cette situation. Nous sommes venus exprimer le ras-le-bol. Donc les femmes, les mamans sont fatiguées et elles disent « Eko qui ?» Inatocha, ça suffit. On veut vraiment accompagner le chef de l'État comme il est pour, de façon que nous puissions arrêter cette guerre et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Nous avions tellement écouté ce cri de détresse des femmes, surtout ce sont les femmes qui en subissent. Et par rapport à cela, nous demanderons au nouveau gouvernement de pouvoir se focaliser sur l'est du pays afin qu'il puisse nous trouver une solution efficace et définitive à ce problème de l'est qui fait très mal. Il convient de rappeler qu'un mémorandum du caucus des femmes du mouvement Ekoki a été remis à la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelumlo. L'Université pédagogique nationale UIPN dispose désormais d'un nouveau département télécommunications. La rentrée doctorale a eu lieu ce lundi dernier à présent directeur de cette institution. La République démocratique du Congo peut compter sur l'expertise des chercheurs congolais dans les secteurs de la télécommunication et télédétection spéciale. Propos du professeur Kabasele Yenga Yenga, directeur de l'école doctorale de l'Université pédagogique,
en charge de la télécommunication et télédirection spéciale. Une école créée le 29 novembre 2020, cette école doctorale a pour mission la formation des experts, des docteurs dans les domaines de la télécommunication et de télédétection spéciale. Trois conférences ont été organisées à cette occasion, puis des carbone debout et couches comme enjeu des négociations climatiques. Dans leur intervention, les professeurs Kabasele et Chimanga de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa sont revenus sur le dispositif que doivent mettre en place la RDC afin de préserver l'environnement qui passe par le traitement de la conservation de la nature. Nous voulons nous associer aux efforts de la GIGA et d'autres organismes internationaux pour comprendre la mutation climatique et forestière de notre pays. Nous voulons que le Congo ait des satellites demain. Peut-être inscrit dans cette école doctorale des licenciés à la faculté des sciences, des polytechniques, de l'environnement, ainsi que des finalistes en DEA, de l'ISTA et d'autres établissements supérieurs et universitaires de notre pays. Et puis, le président de la FEC a séjourné dernièrement à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Sur place, Albert Yuma a échangé avec le vice-gouverneur du Lualaba. Séjour dans la province du Lualaba depuis le vendredi 23 avril dernier, le président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Albert Yuma, a rencontré ce samedi 24 avril 2021 le chef d'entreprise et membre de la Fédération des entreprises du Congo Lualaba dans la salle de conférence de l'hôtel-restaurant Moon Palace. Dans cette salle, le chef du patronat congolais a détaillé la raison pour laquelle son choix a porté sur le Lualaba comme deuxième étape de sa tournée qu'il avait annoncée lors de sa réunion. Élection à la tête de la FEC. J'ai tenu à inscrire la seconde étape de mon parcours ici au Lualaba parce que c'est ici que partira la prochaine révolution énergétique autour de laquelle tant de regards dans le monde sont dernièrement tournés. Au cours de cette rencontre, Albert Yuma a rappelé en quoi consistera le travail de l'entreprise générale du Cobalt, qui est une société industrielle qui intègre l'innovation, notamment en matière de politique économique minière artisanale que notre pays a connue depuis plusieurs décennies. Le président de la FEC s'est beaucoup appesanti sur cette entreprise qui bientôt sera lancée au Lualaba après cette rencontre. Une forte délégation composée de membres de la FEC s'est dirigée à la société minière des Iwa SAS sur place. La dite délégation a reçu des explications plus détaillées sur le mode de fonctionnement de cette société. Avec le projet Somidez, Gécamines 1 récupérera cette mine au bout d'une période calculée ensemble, 9 ans, mais ces 9 ans étaient calculés sur base des cours mondiaux du cuivre et de cobalt qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire au cours d'aujourd'hui, nous récupérons cette usine avant 9 ans. Elle deviendra propriété à 100% de la Gécamines. Vous avez vu que c'est aujourd'hui, dans la région du Lualaba, l'usine la plus moderne. Cri de détresse de la population de Miabi dans les Kasaï orientales. Cette population est confrontée à divers problèmes, dont les érosions qui risquent de causer beaucoup de dégâts dans ce territoire. Grave tête d'érosion menace le territoire de Miabi dans le Kasaï oriental. Comme cela ne suffisait pas, la population de cette partie du pays croupit dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. L'entreprise Sassim, une société minière chinoise pourtant installée à Miabi et à laquelle cette population avait placé son espoir, s'évertue plutôt à accentuer la souffrance des habitants de Miabi. Des champs détruits, l'eau de la source infectée, des employés maltraités au sein de cette entreprise. Faute d'être mieux payés, les hommes et les femmes recourent aux déchets des minéraux pour survivre. Nous cultivons nos champs et ceux-ci sont détruits par les Chinois qui produisent le diamant à la Sassim. Ils ont stagné l'eau que vous voyez qui provient de la Sassim et cette eau de la production de l'usine de diamants qui a détruit toutes nos plantations. Par ailleurs, ils interdisent même à nos jeunes qui sont sans emploi de récupérer le rejet de diamants. Et lorsqu'ils appréhendent quelqu'un, ils les arrêtent et les tabassent. Le député national Léon Toumba Mukendi, l'élu de Miabi en vacances parlementaires dans cette circonscription électorale, s'est rendu compte de l'ampleur des têtes d'érosion qui demeurent
une véritable menace pour cette population. Léon Toumba Moukendi a lancé un appel aux institutions du pays, à savoir la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, afin que toutes les batteries soient mises en marche pour venir en aide à cette population confrontée à des problèmes qui menacent sa survie. Un centre de santé moderne vient d'être inauguré à Gungu dans la province de Kwilu après l'étape de Bulungu. C'est un don du gouvernement provincial. Oui, sur fonds propres du gouvernement provincial de Kwilu, la clinique moderne de l'hôpital général de référence de Gungu est inaugurée par le gouverneur Willy Chundala Hassan. Au cours d'une cérémonie organisée à Gungu, laquelle a drainé une foule en liesse venue des recoins de Gungu, dire merci au gouverneur Willy Chundala pour cette action qui visiblement est une première de l'histoire de ce territoire. Occasion pour l'administrateur du territoire, Trésor Kitambala, de faire savoir que Willy Chundala Hassan et ses gouverneurs qui à chaque son passage à Gungu posent une action pour l'intérêt de ces territoires. Témoignage également abordé par le chef de division provinciale de la santé, Dr Jean-Pierre Bassaké, qui s'est dit erré de voir son secteur être honoré par Willy Chundala avec des réalisations de taille dans tous les territoires. Du haut de la tribune, le gouverneur du Kwilu dans son mot remercie la population pour l'accueil triomphal et de préciser que cette clinique sera équipée au mois de mai. Il est en outre revenu sur la question du frais scolaire qui crée des confusions. Pour la 7e et 8e, c'est à 27 000 francs congolais. La dissertation, c'est 67 000 francs congolais. Et l'examen d'état, fixé à 50 000 francs congolais. Dans le cadre de la semaine africaine de vaccination, le gouverneur Haï du Olomami a organisé un dîner de travail à toutes les parties prenantes dans le souci de renforcer les stratégies de vaccination dans sa province. Du lycée Maïdio s'est tenu un dîner dans le cadre de la semaine africaine de vaccination sous le leadership du gouvernement provincial du Olomami. Un Bill et Melinda Gates à travers l'ONG PAT. Ici, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les partenaires techniques et financiers, les leaders d'opinion ont pris part pour évaluer la mise en œuvre du plan Machako dans les Olomami. Province, avec un taux de prévalence élevé des maladies évitables par la vaccination, a fait ainsi remarquer le chef de division de la santé, le docteur Patrick Manzampiongo, dans son mot de bienvenue. Les Olomami demeurent encore une province avec les réfractaires à la vaccination, a démontré docteur Clarisse Kasongo-Meta, médecin-chef d'antenne PEV, dans son exposition qui en a appelé à l'implication de tous. Pour le gouverneur ad intérim Denis Gandou, la vaccination demeure un moyen efficace pour le bien-être du social. Occasion pour le représentant des partenaires, docteur Didier Nimbo, coordonnateur du consortium BMGF, de féliciter les Olomami pour avoir souscrit au plan Machako et en occupant la première place des provinces qui ont respecté ces plans en République démocratique du Congo. Nous devons consolider les services de santé essentiels dans le cadre de l'édification des systèmes de santé résilients. Olomami, comme étant la championne pour l'année 2020, je vous remercie. À la police nationale congolaise, le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amouli, a reçu dans son bureau de travail le gouverneur du Congo central. De quoi était-il question? Suivez. La police provinciale du Congo central doit être renforcée des kits informatiques et techniques pour réaliser ses différents services, celui de sécuriser la population et de leurs biens. Cela se fera surtout dans les coins où l'insécurité bat son plein, notamment à Mwanda, Boma et Matadi. C'était au cours de l'audience qu'a accordé le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, au gouverneur Atou Matubwana. On est venu voir le commissaire général pour poser un certain nombre de problèmes de sécurité par rapport à la problématique du Congo central, notamment la problématique de la sécurisation de la nationale numéro 1, Mwanda, Boma, Tadi, Jusqu'à Kinshasa. Les gens ont été très à l'écoute des problèmes que nous avons posés et aussi par rapport aux équipements de nos forces de sécurité au niveau de la province. Nous sommes convenus et à des discussions qui ont été prises. Nous rentrons en province et nous allons revenir avec ceux dont on a parlé pour que nous puissions appuyer et renforcer en matériel
notre police au niveau de la formation. L'amélioration de la sécurité dans cette partie du pays, seule priorité du gouverneur. Communiqué officiel de la présidence de la République, levée de mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement des coalitions. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation que consécutivement à la motion numéro 002/CAB/P/AN/MNPC 2021 du 26 avril 2021, l'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kengé, et ce conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90 alinéa 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de la démission de son gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 janvier 2021 et qu'il avait chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la constitution du nouveau gouvernement, deux mesures conservatoires avaient été prises par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Le nouveau gouvernement ayant été investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sur l'instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées en Conseil des ministres. Les dossiers traités et ceux en cours de traitement relatifs aux subdites mesures sont transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement pour orientation sectorielle et prison en charge. Fait à Kinshasa le 28 avril 2021, Guylain Niembo Bouiza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Vous a été offert par le FPI.